Depuis que la législation permet aux possesseurs de permis voiture d'avoir accès à la conduite d'une 125, ce marché a été multiplié par 3 et les nouveautés se suivent à un rythme accéléré. Dernière en date, celle proposée par MBK avec son 125 Skyliner, qui est le frère jumeau du Yamaha Majesty. En effet, ces deux modèles disposent d'une mécanique commune, à savoir un nouveau monocylindre 4 temps qui développe 12 chevaux. Sa carrosserie, résolument fluide et enveloppante, dispose d'un double optique à l'avant et de 4 feux à l'arrière. Côté suspension, il dispose de 2 amortisseurs classiques et d'une fourche télescopique équipée d'un simple frein à disque, mais d'un modeste tambour à l'arrière. L'équipement est très complet, avec un tableau de bord moderne et lisible qui dispose de tous les voyants de contrôle possibles. Côté pratique, on trouve aussi un rangement fermant à clé pour le téléphone portable et une large selle dont l'ouverture se commande à distance par la clé de contact. Elle s'ouvre alors sur un vaste coffre pouvant accueillir 2 casques, ce qui est toujours très utile, surtout durant les vacances. Très convivial donc le Skyliner, mais aussi confortable à deux et disposant d'un moteur plutôt vigoureux qui permet de sortir des villes sans trop d'appréhension. Sa tenue de route est quant à elle très correcte avec un niveau de freinage qui est en rapport avec ses performances. Seul ombre au tableau, les suspensions qui ont un peu de mal à suivre le rythme lorsque l'état du revêtement laisse à désirer. En solo, les choses s'arrangent un peu et l'on apprécie encore mieux ses accélérations franches et sa bonne protection. Équipé de roues de 12 pouces, il se montre très sécurisant. Reste que ses dimensions importantes n'en font pas un monstre d'agilité pour se faufiler dans la circulation. Mais comme tous les scooters, il demeure néanmoins une arme redoutable pour lutter contre les embouteillages.